Bonjour tout le monde, c'est Théo d'Equest Gamers et aujourd'hui je suis en compagnie de Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour, et aujourd'hui on se retrouve pour le mode. Alors, Timber et Barbecue Mode. Alors, faut savoir d'abord que Barbecue, c'est un mode génial, inventé par des Chinois. Et Timber, c'est vraiment inventé par des Chinois. Et Timber, c'est un mode qui existe depuis très très longtemps, donc que sûrement tout le monde connaît. Mais que je trouve qu'il est bon de tester étant donné qu'il est sorti en 1.3.2. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Donc le mode Timber, que fait-il? Tout simplement, il rajoute du réalisme au jeu. J'aime bien les modes qui rajoutent du réalisme. C'est-à-dire quand vous couperez la base d'un arbre, que ce soit en créatif ou en survival, tous les autres bois de l'arbre tomberont. Donc c'est très pratique si vous êtes dans la jungle ou dans une forêt dense. Vous pouvez couper et ça évite de se faire chier. Voilà, ça évite de se faire chier et vous vous faites beaucoup de stacks. En très très peu de temps, par exemple ici, voilà, je récolte beaucoup de bois. Donc maintenant, on va passer au mode barbecue. Donc, on passe au barbecue mode. Et Valentin, que peux-tu nous dire sur ce mode? Alors, ce mode rajoute des barbecues. Pour faire cuire votre nourriture, vous pouvez placer jusqu'à 8 types de nourriture et les mélanger. Ce barbecue marchera avec du charbon, mais attention, du charbon de bois surtout. C'est-à-dire du charbon que vous faites cuire avec du bois. Ok, donc les là gens vous voyez, sont pas cons, hein. Ça cuit et ça donne les côtelettes de porc grillées. Donc comme je vais vous putain, montrer, on peut faire... Ça fait comme les grille-pains, tu sais, ça saute à la ouais, fin. Voilà, on peut faire des mélanges. Là j'ai mis tous les types de viande. Je charge le charbon et vous allez voir que ça va griller. Non, ça va cuire. Oui, bon, on s'en fout. Voilà, ça se dort. Et voilà. Et vous avez tout qui pop. Ok. Et ben c'est fini pour ces deux modes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On sort de nouveaux modes tous les jours. N'hésitez pas aussi mode à liker, va à vous commenter. Permettre de oui, vous faire passer pour Maïté. Exactement. Sur ce, on vous dit à la prochaine tout le monde. Bye bye. C'est qui Maïté?